Our story today is about the American soldier in France. Ouais, Jacques, ça va ou quoi? Hey, je t'ai envoyé les billets tout à l'heure pour Châteauroux par mail. Je te fais vite fait le programme en bref. On va passer chez moi, on va passer chez des potes à moi, à Brassiou. Et tu vas voir, ça ressemble pas mal aux suburbs américains. Vous avez pris des images un peu déjà ou là c'est le premier? Ah, c'est la première fois. Okay. Mais ça va s'étendre sur longtemps, ça va s'étendre sur oui, l'été aussi un peu. Okay. Voilà Châteauroux, je fais la ronda. Ah, ok, incroyable. Je vais faire le petit storytelling de Châteauroux, ville américaine, ma boule. Ouais, bien sûr. Faire tisser tout ça. Quelle heure il est? Il est 19h. Allez, ce serait bien qu'on arrive à en faire deux. En vrai, tu peux compter quelques secondes de plus parce que la scène est un peu plus grande, le temps que j'arrive, il y a un. Hey. Fuir le réel, mon obsession. Fuir le réel, mon obsession. J'ai tout ce qu'il faut en ma possession. Tout ce qu'il faut en ma possession. Fuir le réel, ma profession. Totale déconnexion. J'ai tout ce qu'il faut en ma possession. Fuir le réel, mon obsession. Cher. Que t'as le plus écouté, ça veut dire qu'ils t'ont le plus marqué, mais je suis pas sûr que ce soit forcément vrai. En vrai, il me semble que... Je pense qu'il y a des mecs qui m'ont bien plus marqué en les ayant moins écouté, mais juste parce que j'ai... Je sais pas, ils m'ont transmis des choses trop vite, tu vois. Plus que des mecs auxquels je me suis torturé, mais qui m'ont pas forcément influencé dans ma musique. Mais si je devais faire juste ceux que j'ai le plus écouté, on est pas là. Mac Miller. Ah, Mac Miller, en vrai, il m'a bien influencé. Pas trop dans ce que moi je fais musicalement. Bah tu vois, là tu vois le morceau Diablo que j'ai fait hier, ce truc là il s'appelle Diablo parce que je sais pas, j'adore ce morceau de Mac Miller, c'est un morceau à lui, c'est un titre d'un morceau à lui. Et quand je faisais la prod, je pensais un peu à la prod de ce morceau là qui est un choc, c'est un sample de Coltrane archi classique. Je trouvais que c'était stylé pour un rappeur aussi jeune d'assumer de ouf, d'aimer la vie entre guillemets, tu vois. Je trouve qu'en fait c'est un truc qui se fait assez peu dans le rap. Psychologiquement, pour toute la commu, à envoyer du love, mucho love, surtout c'est le plus important, retenez ça. Félicitations mon gros. Ouais, mais tu connais, juste comme on n'a pas le couplet de Shelton, ça veut dire qu'il y a un couplet avec pas de VBO et rien, et du vide quoi. On va le faire. Ouais, ouais. Ça va bien. Quand la prochaine fait du graphique, on dirait ça rumble. Avec les petites barrières blanches là. Sur les vieilles, je sais pas si t'as capté, t'as la porte vitrée devant la porte d'entrée. Ça là, voilà, ça fait trop. Hein. Ouais, ça c'est totalement carré. Je te donne. Ouais, vas-y, vas-y. Mon jeune épèque. Pour un petit qui bugué, je m'en sors pas trop mal. Pour un petit qui bugué, je m'en sors pas trop mal.
port du sud. Faut les papillons. Je comptais de l'oseille. Comme la butte sur un fillon. Je connais pas Milan. Je connais pas Rino. Squad avec les rats. Il me faut de la deviant. Je suis un carnivore. J'suis un carnivore. J'en souviens, mais c'est fou. J'aimerais bien rester tout. J'en souviens, mais c'est fou. J'aimerais bien rester tout. Et j'm'en souviens, mais c'est fou. Hein? Et après, tu commences à refaire des répètes pour la maroquinerie. Pendant quelques morceaux, on encule tout. Hein. Pour l'instant, restez calme. Avec des bisous dans le cou. J'ai la voix cassée, j'ai la tour. J'ai la tour. Non, c'est pas comme quand je fumais là, j'ai la tour. Là, j'ai la tour. En petite, c'est l'équipe, moi, c'est la poisse qui me suit partout. Encore tout. En ce moment, j'ai la rage, je rate tout. Dire je rate tout dans le trou, je dis en ce moment. Ah ouais. C'est qui, t'as capté. En ce moment. Ouais. Ah mais non, c'est vrai. En ce moment, okay. Ah, okay, okay. En ce moment, veux... j'ai la rage, je rate tout. En ce moment. Waouh, merci à tous. Vous avez très très bien chanté, ah, ouais. Très très fort. Putain, c'est vous les chanteurs en fait, c'est pas nous hein. Et même je kiffe bien avoir le fait d'avoir des double filtres. Peut-être que les gens diront je me fais manger par ou par. Je sais pas. Tu vas à quelle épicerie? Là, à côté, là. C'est juste à côté, là? Faut traverser la rue. Non, parce qu'après, il y a... Ah non, celle qui est plus loin, du coup. Pas aussi fixe. Ah ouais, non. Et ça? Ouais, non, mais là-bas, ils ont rien. Prends-moi un coca. Un Perrier de merci. Un Perrier des bonbons et un coca. Magnifique. Merci. Ok. Et ça veut mettre du coup le morceau que vous avez fait sur Twitch aussi ou pas? Je sais pas, on l'a pas écouté depuis. Et moi je préfère ne pas le réécouter. C'est que des essais entre guillemets, tu vois. Des essais bien, hein, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que des sorties, hein, parce que des pas de côté. Et genre du coup j'ai peur que le projet il fasse un peu en mode tout c'est des pas de côté. Genre Diablo c'est un pas de côté, Drazit c'est un pas de côté, 2003 c'est un pas de côté, et Flou c'est un pas de côté. Diablo je trouve pas tant que ça en vrai. Pour moi, ce qui est pas un pas de côté, c'est Obsession. Tu vois ce que je veux dire? Des morceaux comme ça, d'habitude, t'en as toujours deux ou trois sur ton projet, tu vois. Et genre, là, je sais pas, il y en a un, éventuellement un peu deux avec celui qu'on a fait sur Twitch. Gros, il y a que toi dans ta tête. C'est pas parce que t'as dit 4 fois 3 américains, 13 américains dans un projet. Frérot, tu fais que draper sur des pianos tristes toute la vie, sur des trappes, frérot. Là, t'arrives avec une prod Scott Storch complètement. Gros, il y a personne pour qui c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les américains vous donnent envie d'être américain? Enfin, oui, moi j'aimerais être américain car je pense qu'ils ont plus de liberté que les Français. Qu'en Amérique, ils ont un peu plus de distractions aussi qu'en France. Ils sont un peu plus libres par rapport à leurs parents. Enfin, que... Et vous? J'aimerais bien être américain pendant un an, mais après, votre grande vue, ne m'amuserait plus. Avec tous les crédits, tout ça. J'aimerais pas être américain parce que je trouve que les Américains ont des coutumes un peu trop excentriques. Réfléchir, j'ai trop de blessures à penser. Mon cœur finit par s'épaissir et le fichier plus comment l'apprécier. Enfin on s'en va pas rattache. Le gère des trônes et bavardage. Le temps défile sur la trotteuse. Je compte les heures, y'en a trop peu. De temps en temps faut que je pense à moi. J'avance dans l'or même sans savoir. Toute ma mère qui peut me détourner. Je me ravise quand j'entends sa voix. Je partage pas sourd dans la voiture. Un cri de détresse toute ma voiture. Une crise de nerfs et je bousille tout. J'épinglerai même pas la toiture. Je remonte doucement depuis les abysses. Là où le malin se déshabille. J'observe les astres avec rigueur pour mieux comprendre ce qui les anime. Je garde dans le vice de tétanise. Sur du blackout hivernal. Je vais tout baiser l'été qui arrive. Mes anges dans le ciel en forme d'escadrille. Je m'active et je deviens trop chaud comme si j'étais un radiateur. Tous les jours je suis dans l'arène. On crée nous que le temps s'arrête. Je regarde l'arrêt, je savoure chaque seconde comme un gladiateur. L'hiver je dessine dans la neige. L'été je me jette dans la mer. Me rêve pas danser. J'aimerais bien vivre en Amérique quelques temps pour pouvoir étudier leurs coutumes, mais j'aimerais pas être américain, je préfère être français. Presque un accord qu'on a envie d'entendre une contrefaçon en fait. Ouais, ça m'aide, ça m'est stylé. On prend un peu le 5ème degré là dans la piano. Je pense qu'il y a un peu plus tard dans le parc.
C'est sûr. Bah ouais, je suis très content. Parce que je suis la première personne avec qui ça fait du bien. Enfin genre, moi j'ai écrit un morceau qui me semble être un bon morceau. Je crois qu'il y a très peu de sentiments qui peuvent me rendre aussi bien et aussi fier, mais c'est très très bref quoi. Des fois j'ai l'impression de faire des couplets qui ressemblent trop à ça, tu vois, trop à ma double écriture et où j'ai pas fait de choix, tu vois. Genre je suis sur un 2 ou un 4, je vais être un peu plus deep ou un peu plus dans une ouverture de moi et de ressenti, entre guillemets, moins dans les codes du rap, plus dans ce que moi j'ai envie de dire. Et après, tu vois, je vais être plus dans un truc qui va, je sais pas, un truc de plus d'ego trip ou un truc plus d'écriture de rap, entre guillemets, tu vois. Attends, 30 secondes, c'est simple. Ouais, frère, ça dit quoi le bloc aujourd'hui? Moi, je vais être là un petit peu, ouais. Je vais rentrer avec le dernier métro, je pense. Là, le répéter une fois. Ah ouais? J'écris toujours la même chose. J'ai fait toujours la même chose. C'est pas que j'aime pas, mais je sais pas trop parler. C'est toujours la même chose. Cœur givré depuis que j'ai 10 ans. Je parle pas de la mif parce que c'est grisant. En fait, du coup, c'est. Si on fait ça. Je sais pas ce que je bricole. J'ai l'impression que si on fait ça, c'est. C'est du coup, ça veut dire que je sais pas si on fait la même chose sur le refrain à la fin. Moi, à la fin, je pense qu'il faut faire des airs sur. Tu t'en vas comment, François? Hein? Tu t'en vas comment? Ghost Dog, Crocodile Dandy, Ligne Médiane, Bâtiment, 2003, Strip, au revoir. Moi, j'avais le sentiment. Non! Attends, j'ai mis quoi? Tu te réveilles sur Obsession. Viens, on se le fait vraiment, on pull up, tu mets d'énergie comme si tu y étais quoi. Là, t'as une demi-heure, faut que tu baisses tout. Ouais. Tu sais bien le faire, danser et tout, t'es grave plus à l'aise qu'il y a quelques mois. Ouais. Mais viens, vas-y, on se le fait à fond. Tu galères ou quoi? Je mets le PBO un peu plus fort. Ouais, ouais, à fond, à fond. Ok, pas de soucis, ça roule. Merci beaucoup. Okay. Cool, bah, à toutes. Et bah, à toutes. Tu fumes, et après, tu t'écris les textes. T'écris les textes, après on se refait tout en condition. Ouais. Vas-y. Il était là, moi. Là, il est 17h20. Non. C'est nickel. Ouais, c'est bien. C'est pas de ouf. Mais c'est mis à moi. Ça va faire genre 25 étés, impossible de retrouver le chemin de la piété. Hein? Faux. Je vois la vie et je parle pas comme la meuf de la cantine. Bloqué dans la pensée. Nostalgique, moi j'affecte la taille de l'Argentine. Let's go, fuir le réel, mon obsession. Fuir le réel, mon obsession. J'ai tout ce qu'il faut en ma possession. Tout ce qu'il faut en ma possession. Ah, fuir le réel, ma profession. Totale déconnexion. J'ai tout ce qu'il faut en ma possession. Fuir le réel, mon obsession.